Salut tout le monde, c'est IT qui aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment avoir Android 7 Nougat avant tout le monde. Donc comme vous le savez sûrement, Google a présenté Android 7 Nougat en même temps que ses Google Pixel. Donc vous savez, ces nouveaux smartphones destinés à concurrencer l'iPhone 7 qui ont l'air d'ailleurs vraiment pas mal. Et donc comme je le disais, ils ont présenté Android 7. Et donc vous pouvez avoir un aperçu d'Android 7 sur votre smartphone Android grâce à cette application Nougat Launcher. Donc vous allez sur le Play Store et vous tapez Nougat Launcher. Donc une fois que c'est fait, vous l'ouvrez. Et donc là, ça va vous dire qu'avec un appui prolongé, vous allez pouvoir avoir les fonds d'écran, les widgets ainsi que les paramètres. Et donc là, vous voyez, j'ai exactement la même interface que sur Android 7. Donc avec le style de la météo, on peut également installer des thèmes. Voilà. Par contre, vous voyez que si on appuie sur le bouton central, on quitte le launcher. Mais là, on a les paramètres du launcher, décidément, j'ai un peu de mal. Mais donc là, vous voyez, on peut régler plein de choses. Donc, par exemple, la sécurité, tout ça. On peut également régler la manière dont on veut le défilement du fond d'écran, la rotation, le nom des icônes, si on veut le nom des icônes ou non. Comment est-ce que l'on veut disposer ces applications? Donc là encore, si on veut le nom, si on veut la barre de recherche, si on veut ceci. Quand je dis ceci, c'est ça. Vous voyez, parce qu'on peut l'avoir également sous Nougat Launcher. Ici, pardon. Et donc là, vous voyez que dès qu'on descend, on a la même fonctionnalité que sur Android 7, c'est-à-dire que ça descend le menu. On n'a pas besoin d'aller tout en haut et de faire ça. Désormais, rien qu'en le faisant sur l'écran normalement, eh bien, ça va descendre tout seul. Voilà, donc là c'est vraiment cette application est vraiment super pour avoir un aperçu d'Android Nougat. Je trouve qu'elle est vraiment vraiment très sympa et c'est quelque chose de vraiment très fluide. Donc voilà, c'est une application que je vous recommande vivement si vous voulez voir ce que ça donne tout simplement sur votre smartphone. Donc voilà, en plus on a la version pure stock, donc là c'est encore un point positif en plus. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!